Chérie, partagez la vidéo, invitez vos amis, permettez-moi de partager cette vidéo parce qu'elle est tellement importante qu'il va falloir partager au maximum parce que là c'est pas du tout bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, my god, je vois absolument rien ici. Je vous salue tous ceux qui sont connectés, hein. Facebook a décidé d'en découdre avec moi, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, ma petite chérie, qu'Allah veille sur vous. Voilà, je pense que très chers parents du Nord, les parents Sénifo ont compris le message. Il se reste que maintenant c'est réveillé. Quelqu'un a écrit ici, Ado, il est fort, c'est pas encore commencé. Attendez d'abord, le petit Sénifo là, il supporte pas le chaleur, franchement. Bon, à partir de certains lèvres, je ne suis pas autorisé à faire vidéo dans mon bureau. C'est ça le problème. Voilà, il faut venir vite là. On est pris par le travail. Parfois, on rentre tardivement. Il fait extrêmement chaud. On n'a pas le temps de s'exprimer tout le temps. Je vais boire un peu d'eau d'abord, en attendant que vous puissiez partager. Lisez le titre et puis partagez la vidéo. Voilà, c'est pas beau l'eau, banabana là, hein. Regardez, voilà, le vrai l'eau. Les militaires, les dramans, ils ne peuvent pas payer ça en Italie ici pour boire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tout à l'heure, les choses sérieuses vont commencer. J'ai écrit ici, RHDP, que Soro boycotte les élections. Je leur dis d'arrêter de nous emmerder avec leur troisième mandat illégal et illégitime. Apparemment, il y a un journal qui est tombé dans ma main, j'étais au travail. Je crois que j'ai envoyé ici. L'un des journaux du RDR de Dramane Ouattara,
Quand on appelle, là, apparemment, le journal là-même, là. Bon, j'avais envoyé ici, hein. Sûrement, c'est pas encore téléchargé. Voilà. Apparemment, ce journal-là, vous connaissez? Elle appartient au RHDP. On appelle ça le sursaut. Voilà, je crois que ce journal-là, elle appartient au RHDP. Ils ont écrit ici, voici pourquoi Soro boycotte les élections. Je leur dis d'arrêter de nous emmerder d'abord. Ils n'ont qu'à continuer leur politique de leur troisième mandat illégal, illégitime. À ce qui concerne son excellent Diom Kibafori Soro et son mouvement, le GPS, Diom Kibafori Soro a dit au mouton de Draman que lui, il ne reconnaît pas le troisième mandat illégal, illégitime de Draman Ouattara. Donc, à partir du moment où il ne reconnaît pas votre pouvoir, il décide de ne participer à aucune élection organisée au sein de ce troisième mandat. C'est plus facile à comprendre. Nous, on ne reconnaît pas le troisième mandat de Draman, qui est illégal, illégitime. Donc, on ne peut pas pousser Soro Diom aller se présenter pour cautionner l'assassinat, le massacre des peuples ivoiriens. Parce qu'en participant à une élection, ce troisième mandat de Draman, c'est une reconnaissance officielle au troisième mandat de Draman Ouattara. Et c'est ce que son excellent Diom Kibafori Soro ne veut pas faire. Donc, pour cela, les moutons, ils vont aller écrire que Soro boycotte les élections, s'il vous plaît. Voilà, j'avais rédigé un test là, je crois que j'avais envoyé ici. Voilà. J'ai dit aux moutons d'arrêter de nous emmerder. D'arrêter d'emmerder son excellent Diom Kibafori Soro. En disant qu'ils boycottent les élections. Ils n'ont qu'à faire leur politique qu'ils enlèvent non les Soro Diom dans leur bouche. Le président Diom Kibafori Soro était très clair. Il a reconnu, il ne reconnaît pas le troisième mandat de Draman Ouattara. Donc tout ce qui est élection sur le troisième mandat de Draman, Diom Soro n'y participera pas. Il ne participera pas à cette forfaiture, à ce massacre du peuple ivoirien. Il ne se reconnaît pas là-dedans. Et en plus, vous avez refusé d'intégrer son nom sur la liste électorale. La justice africaine et les droits de l'homme du peuple et les droits du peuple du merde là. La justice africaine des droits de l'homme et du peuple du merde, des merdes là, a ordonné à Draman d'insérer nom de Soro Kibafori Diom et Papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Vous avez refusé. Jusqu'à preuve de contraire, son nom n'est pas sur la liste électorale. Et vous avez dit que son GPS a été déçu. Mais vous avez quel problème? Quelqu'un qui a refusé législatif de 2021, ce municipal de 2023, il va participer. Soyez. C'est-à-dire, on sait qu'on ne peut rien faire pour les moutons. Mais essayez d'échanger un jour. Diom Soro, il ne reconnaît pas le troisième mandat de Draman. Il ne se reconnaît pas dans cette forfaiture. Toute élection organisée dans ce troisième mandat-là, lui, il ne va pas. Parce qu'en partant, c'est la reconnaissance automatique de légitimité de Draman. Raison pour laquelle, Soro Kibafori Diom, il ne peut pas participer à aucune élection sur le troisième mandat de Draman. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous rappelle ici que son excellent Diom Kibafori, ce n'est pas la première fois. Législatif 2021, là, il n'a pas participé. Pourquoi à ce moment on n'a pas parlé de boycott? Vous dites que quelqu'un, son mouvement est déçu. Vous refusez d'insérer le nom de quelqu'un dans la liste électorale. Nous, on sait que Diom Kibafori Soro vous manque. Moi, mais je sais ça. Draman ne dort plus. Donc, si son excellence présente Soro Kibafori Diom vous manque autant, alors, vous prenez une loi d'amnistie, vous effacez tout ce qui est là, là. Vous le permettez de rentrer dans son pays. Et vous mettre son nom sur la liste électorale. Débrouillez-vous. Enlevez le nom de Diom Kibafori Soro dans vos gueules. GPS ne participera pas à aucune élection pour aller confirmer la légitimité de Draman. Un troisième mandat qui a égorgé, qui a éventré en Côte d'Ivoire. Il ne se reconnaît pas dedans. Il est resté un homme digne, un homme politique digne, une opposition opposante digne. Il est resté sur son position, sur sa position. Municipal, législatif, il n'y a rien qui nous intéresse. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le troisième mandat de Draman, c'était un mandat
illégal, illégitime, violation de la constitution ivoirienne. Celui qui n'a pas compris sa RADP, toi tu es plus qu'un mouton. Donc désormais, arrêtez d'écrire le nom de John Kibafori Soro dans vos journaux de merde là, ok? Ça, c'était pour m'adresser au RADP. Les sursauts, allez-y, prends photo de Dramane, mettez ici. Enlevez le nom de Soro Kibafori John dans vos gueules. C'est ça le vrai bas blesse. On ne se reconnaît pas dedans. On ne participera pas dedans. Élection législative 2021. GPS n'a pas participé. Nous, on s'en fout de tout ce qui est élection sur Dramane. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, après d'avoir m'adressé au cabri et au mouton, que j'appelle affectueusement les animaux, parce que mouton, c'est animal, de Dramane, nous allons rentrer maintenant dans le vif des sujets. Ouais, ça, c'était pour interpeller les moutons. Ils n'ont pas honte. Bientôt 15 ans au pouvoir, ils refusent d'apprendre la politique. C'est dommage pour vous. Soro n'est pas votre camarade. Il n'y a pas des élections à boycotter. Ce n'est pas un mouton politique. Voilà, Soro, c'est un homme politique confirmé, un homme politique digne. Alors, deuxième conférence, la condition de vie des Ivoiriens sur Dramane Ouattara. En particulier, le peuple qui a pris les armes pour l'installer au pouvoir, c'est-à-dire le peuple du Nord. Eh non, c'est trop doux. Partagez cette vidéo-là, s'il vous plaît. Les conditions de vie, il paraît qu'il y a un immeuble de chef d'état-major général Apollo qui est tombé, qui a massacré les Ivoiriens, et puis il y a fouille. Donc moi, je ne parle pas dedans. Arrivé à un moment, les Ivoiriens vont se lever quand ils seront fatigués. Voilà, chef d'état-major de Dramane. Non, ministre de la Défense, pardon. Non, chef d'état-major, voilà. Chef d'état-major de Dramane, allez, construire immeuble avec l'argent des contribuables. Hein? Immeuble est tombé, ça c'est un message de Dieu. Je vous ai dit ici, voilà, ya Arif, Ahadoun Dounoudoula. Personne ne connaît les soldats de Dieu. Vous là, et j'ai dit avant-hier, moi mon crainte là, je peur. Voilà, et moi je peur. Parce que vous savez, moi j'ai étudié le Coran. Aujourd'hui, ce que je crée en Côte d'Ivoire, ce n'est même plus la chute de Dramane. J'ai peur que Dieu va frapper Dramane. Mais en frappant Dramane, Dieu risque à frapper la Côte d'Ivoire. C'est ça mon problème. Le général Apollo 5 étages, broum, c'est tombé au moins d'une seconde. Et puis il a massacré les Ivoiriens, Yafoy. Ça, c'est le message de Dieu. Réveillez-vous, asseyez-vous là. Et voilà où je crains là. Dieu a voulu frapper Dramane et ses groupes-là. C'est écrit dans le Coran, livre saint de l'islam. En frappant Dramane et ses amis, il y a un risque que Dieu frappe la Côte d'Ivoire en même temps. Et c'est ce que moi je crains. Donc ici là, soyez salués tous ceux qui sont connectés. J'ai oublié de vous saluer. Il fait extrêmement chaud, donc je ne suis pas trop à l'aise là. Quand il fait chaud comme ça, bon, à partir des 21h ici, c'est jusqu'à 22h. Voilà, de 8h du matin jusqu'à 22h, tu peux faire chez toi ce que tu veux. Mais je ne peux pas commencer la vidéo à 21h pour finir à 22h. Raison pour laquelle, pour ne pas déranger le voisin, je viens m'asseoir ici. Et ça, je déteste faire des vidéos la nuit dans la voiture. Voilà. Vous comprenez? Donc, le deuxième sujet, la condition de vie des Ivoiriens sur Dramane Ouattara. En particulier, le peuple qui a pris les armes pour l'installer au pouvoir. Hey, je vais vous montrer une vidéo. Le vieux là, il a demandé son numéro ce soir. Ce qu'il a fait là, il a fait. Peuple du Nord, réveillez-vous. C'est votre fils Gangaba qui vous parle. Bipez-moi! Alpha Blondie et Tigan Diafagoli, les deux fils de Dramane. Oui! Tu connais rien dans le Coran, champion. Et puis, tu dis rien. Viens au pays. Fils de bâtard, tu dégages ici. Tu n'as pas honte là, Mustapha Sanogo. Bon, regarde-moi. Voici le comportement de Djoula qui est là. Bon, je dis rien. Et toi, tu es là, tu me suis. Bon, on va expliquer ça comment. Je dis rien. Et toi, tu es là, tu me suis. Bon, on va expliquer ça comment. Comment on peut expliquer ça? Vous me voyez moi-même aller sur quelqu'un qui ne connaît rien? J'ai trop de choses à faire ici pour ça. Et quand je parle comme ça, ce n'est pas tous les Djoula. Les Djoula qui suivent Dramane. Reste ici. Je vais te montrer les conditions de vie des peuples qui ont sacrifié tous leurs enfants. Un peuple qui a massacré tous leurs enfants pour l'installation de Dramane au pouvoir. Alors, je vais interpeller Tikendia et Alpha Blondie, les deux fils de Dramane. Ici, je vais vous montrer une vidéo.
à Kumasi. On m'a envoyé la vidéo il y a 3 à 4 jours de cela. Mon cœur a saigné encore. Je me suis dit, ça s'est passé à la San Ouattara. Le peuple qui ont tué tous leurs enfants. Voici les conditions de vie. On va regarder cette vidéo là rapidement. Quant à vous, RHDP, enlevez le nom de Soro dans vos gueules. N'écris plus son nom dans vos journaux de merde, la cause sur Soro. Je pense d'ici, vous avez dit. Soro ne reconnaît pas le troisième mandat de Draman, le dictateur, le sanguinaire. Un pouvoir illégal, illégitime. Il ne se reconnaît pas dedans. Donc, pas question d'accompagner Draman dans quoi que ce soit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon, je vais arrêter de répondre des animaux là, sinon je ne pourrai pas avancer. Alors, ici, on va aller regarder les conditions de vie d'un peuple. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Kumasi, quartier d'Ivo. C'est sur ce lit de fortune couvert de morceaux de carton que le vieux Mamadou passe ses journées. Un lit presque inondé sur lequel se trouvent ses effets. Hey! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Grand frère Madjou Touré, voici conditions de vie de nos parents sur Draman Ouattara. Kumasi est devenu les États-Unis. Si c'est Bakongo numéro 1 mondial. Quand on parle de Kumasi, j'ai l'impression qu'on parle de Paris à Rome. Quand on parle de Kumasi devant moi, les animaux de Ouattara. Quand on parle de commune de Kumasi là, de si c'est Bakongo de Kumasi là, devant moi, j'ai l'impression que Kumasi est devenu New York. Voici, en plein capital d'un pays, Abidjan. Ça se passe à Abidjan. Le vieux est couché dans l'eau. Le vieux, tous ses enfants sont morts dans la rébellion pour que Ouattara soit président. À Kumasi, tous ceux-là, ils ont voté Cissé Bakongo, oui. Et tous, madame les enfants, et tous sont allés voter Cissé Bakongo pour qu'un Djoula soit à la tête de cette commune. Voilà le vieux dans l'eau ici. Chers parents, c'est là. Je vous ai dit, moi quand je parle, je me réfère au Coran, livre saint de l'islam. J'ai fini, j'ai tout étudié. Ça, c'est l'œuvre de bon Dieu. C'est la malédiction. C'est qu'on a fabriqué hier. C'est qu'on a fait hier contre Bagolora. Tant que mes parents ne demandent pas pardon, au reste de la Côte d'Ivoire, vous allez manger caillou sur Ouattara. On m'a envoyé la vidéo, ma journée a été gâtée. Tiganja Fagoli, Alpha Blondi, j'arrive, je vais m'adresser à vous. On ne peut pas l'accepter. Regardez, ça c'est quoi? Vous connaissez ça là? Le truc blanc qui est dans l'eau là. Ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Voilà. Quand on finit de prier, c'est quand on fait quoi? Kumasi, quartier d'Ivo. C'est sur ce lit de fortune couvert de morceaux de carton que le vieux Mamadou passe ses journées. Un lit presque inondé sur lequel se trouvent ses effets. Voilà le truc de prière là. Le truc de prière là. Kassabia. Mon cœur saigne. Papa. Ses membres inférieurs papa. Et une partie de son corps, le côté droit, sont paralysés. Papa. Et depuis plus de 3 ans, cet octogénaire n'a plus jamais remis les pieds dehors. Allahu Akbar. Mon père est mort. Moi, on a pris le couteau en couple. Moi, je ne sais pas. Et ça me fait pas mal. S'il n'a pas sorti, nous ne pouvons pas manger. Je dors comme ça. Avec la saison des pluies, sa situation est devenue encore dramatique. Sa maison est constamment inondée. Et c'est sur le mur, ainsi que sur le lit et une vieille table que son épouse a réuni leurs affaires pour les protéger de l'eau. Elle est coussée. Il ne peut rien faire. Si ce n'est pas moi, là, il ne peut rien faire. À cause de ça, tous les parents, là, ils ont laissé lui. Il ne peut pas dire bonjour même. C'est moi ce qui est là. Si l'eau est beaucoup là, j'ai arrêté, j'ai fait des sangs, j'ai plein, il va poser 6-16 là. Si l'eau est partie, c'est ça, j'ai fait des sangs. C'est comme ça il fait. Mamadou travaillait comme docker au port autonome d'Abidjan. Aujourd'hui,
sa vie ne tient qu'à un seul fil, vu sa condition de vie atypique. Non seulement son épouse et lui sont menacés par l'eau, puis lui est condamné de vivre dans cette maison sans savoir ce qui se passe à l'extérieur. Longtemps cloîtré dans sa maisonnette, il reçoit rarement de la visite de ses proches. C'est dommage. C'est dommage. D'abord, Kumasi, c'est capitale d'un pays. C'est-à-dire, on est dans la capitale d'un pays. On va laisser la commune d'abord. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Kumasi, là, c'est Abidjan. Il y a inondation partout dans le monde entier. Mais ça, là, non. Les animaux vont venir quitter, il y a inondation. Oui, oui, même ici. Il n'y a même pas un mois, l'eau a frappé ici au sud de l'Italie. Vous comprenez? Mais comme ça là, le vieux il est couché là, dans l'eau. Ça dit, ses enfants sont morts, c'est un vieux sénifo. Ses enfants sont morts dans la rébellion au nom de l'islam. Mais quand on finit de prier là, truc qu'on prend pour dire Allah wa subhanallah là, Abedji là, l'alim fredji là, regardez. Le truc là, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Quelqu'un n'a qu'à écrire sur ça là, s'il vous plaît. Ça, attention, voilà ça. Regardez. Presque inondé sur lequel se trouvent ces effets. Le truc là. Truc plein là. Ça. Ça. Voilà. Ça, c'est le truc de prière. Le truc qui est dans l'eau là. Et on dit que c'est un musulman chapelet. Merci beaucoup. Nyani Milano. Merci à toi, Gigi. Vous comprenez? Chapelet, tu es tombé là, dans l'eau. On dit que c'est musulman qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le vieux, tous ses enfants sont morts dans la rébellion. À Kumasi, tous ceux-là, ils ont voté pour Cissé Bakongo. Hé, bipez-moi Cissé Bakongo. C'est un pays ça là? C'est quel pays ça? On ne peut pas déloger le vieux là. Aïtan Dona, c'est les Djoula qui sont au pouvoir. Mon Kessing. Tous ceux qui ont numéro de le vieux là où sa femme. Donnez-moi les numéros. Je vais rentrer en contact avec maman. Fais ce que je peux faire. C'est dommage. Voici le ressort. Le bon Dieu réservé à un peuple qui ont massacré les enfants au nom de l'islam. S'il vous plaît, Nessan. Vous comprenez? Ça, c'est le ressort. C'est que Dieu a préservé à un peuple. À un peuple qui ont massacré tous leurs enfants au nom de l'islam. Voici le retombé. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire, ça là. Ni sur Laurent Gbagbo, ni Harry Konabidji. Papa est couché dans l'eau. Et puis en Kumasi, quand les animaux de Ouattara me parlent de Kumasi, j'ai l'impression qu'on me parle de New York. Regardez Kumasi. Mais ça là, c'est à Kumasi. Dikendia Fakoli, Alpha Blondie, les deux enfants de Draman qui ont pris tout leur temps, leur vie, en train de critiquer l'opposition en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara était dans l'opposition, toi Tikendia, toi Alpha Blondie, vous avez raconté votre vie. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, impossible d'ouvrir vos gueules. Tikendia même lui, il est mieux. Il a fait semblant de critiquer un peu. Il a attaqué Alpha Conné de Guinée, Tikendia. Nous, on n'est pas bêtes. Fou, 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 il devient fou. Fou, 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 Alpha Conné devient fou, qui a dit. Mais tu n'as pas été capable de dire fou, 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 il devient fou. Fou, 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 Alassane Ouattara devient fou. Tikendia, tu n'as pas dit ça. Quitter à Abidjan jusqu'à Divo, il y a le terrain vide, il y a le terrain cadeau. Je m'adresse à Tikendia et Alpha Blondie. Quitter à Abidjan jusqu'à Divo, il y a le terrain vague, il y a le terrain vide. Vous ne pouvez pas payer des terrains construits. Dis à nos parents qui veulent quitter Abidjan, ils n'ont qu'à venir s'installer là. Si Draman c'est un gabarit de nos parents, mais vous, dès là, qui a raconté vos sales vies. À travers vos chansons là, pour que Ouattara devienne président, il est au pouvoir. Avec tous les milliards qu'ils ont volés à la Côte d'Ivoire, avec tous les milliards que Ouattara a pris à la Banque mondiale, fils de bâtard, tu mets tête de moi ici, j'ai fini, je t'envoie au cimetière. Je ne parle pas de ton pays, je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire, et à mes parents.
impossible pour moi d'accepter conditions de vie d'un peuple qui ont sacrifié tous leurs enfants pour Ouattara. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'est conditions de vie d'un peuple. Vous comprenez? Conditions de vie d'un peuple qui ont massacré tous leurs enfants pour Ouattara. Ouattara attend au pouvoir. Tous les cadres du Nord ont été massacrés. Ahmed Bagayogo a été ligoté. Oui. Amadou Soumaoro Tchomba, le plus vieux Koyaga du Nord, on l'a exécuté. Il était en Turquie en train de se soigner. Ouattara dit, hey, tu es malade, moi je m'en fous de ça. Il faut que tu rentres. Sinon, je mets Bitoko à ta place. Amadou est venu mourir. Vous comprenez? Ouattara Sablebaleba a été exécuté sous Ouattara. Ouattara, Ibrahim Kouloubali dit Ibe, mon beau-frère, a été égorgé à Bobo Pek à 18. Vous comprenez? Ministre Diakité, le seul survivant qui a échappé à la mort, grâce à Dieu, c'est Soro Kibaforidjom. Les Soultoussouls sont en train de mourir en prison. Et Ouattara inflige l'enfer à ces peuples-là après d'avoir assassiné tous leurs enfants. Après d'avoir assassiné tous leurs enfants, Ouattara l'inflige l'enfer. C'est sur Ouattara, Anaka de Brûlé au Nord, fils de bâtard d'Angadi. Moi, je parle de ça, tu vas venir raconter ta sale vie là ici. Ça dit, si Facebook peut nous autoriser en plein... Ça dit, Facebook doit activer quelque chose en plein direct là. Quelqu'un qui vient raconter sa vie là, tu peux tirer dessus. Facebook devait activer ça. Quelqu'un qui vient t'insulter en plein direct là, tu peux tirer dessus. Vous comprenez? Des fils de bâtards, vous croyez que nous sommes vos amis? Alors ici, on va... C'est ce qui m'a fait mal. Condition de vie d'un peuple. Qu'on les appelle les Djoula, les Nordistes. Wallahi, je prends le bon Dieu à témoin. Depuis la Côte d'Ivoire est devenue la Côte d'Ivoire. Mes parents disent qu'on n'a jamais vécu une telle humiliation, une telle souffrance en Côte d'Ivoire, plus qu'à Alassane Ouattara. Un peuple humilié. Un peuple soumis à l'esclavage. Un peuple poussé à l'indignité. Casser les maisons. Moi, j'ai un album complet dans ce téléphone-là. Et si je vais venir m'asseoir. Tous ces conditions de vie des Nordistes seulement. Album complet. Qu'est-ce qu'on a fait à Ouattara pour mériter ça? Un peuple qui a sacrifié tous ses enfants. Sur Ouattara, le peuple du Nord, même s'ils sont pas devenus riches, c'est un peuple quand même qui devait s'auto-satisfaire. Vivre tranquillement, dignement. Mais sur Ouattara, le peuple du Nord sont devenus le peuple le plus misérable, le plus affamé, le plus pauvre au monde. Mais malgré cela, ce peuple refuse d'aller s'adresser à Ouattara. Je ne comprends pas. Voilà le chapelet dans l'eau, ici. Le vieux là, tous ses enfants sont morts dans la rébellion. Tous ceux-là, ils ont voté Cissé Bakongo. Ils se sont mobilisés pour voter Cissé Bakongo. Au nom de Draman, un Djoula à la tête de Koumassi. Aucun Djoula sera traité comme ça. Voilà le chapelet dans l'eau ici. Là, il a là, Mohamed. Hey! Presque non. Dieu, il est là. Moi, je sais que Dieu, il est là. Dieu, il est là. Tous les actes que nous posons là, Dieu, il n'est pas pressé. Dieu est en train de nous punir et punir nos parents pour ce qu'on a fait. Donc, Kibaforé sera à demander pardon aux Ivoiriens. C'est pourquoi Dieu a refusé de le livrer à Draman. Il a reconnu d'être à l'origine de déstabilisation de son pays. J'ai la vidéo ici, sur Rodjom. Il a soumé. Oui, je suis à l'origine de déstabilisation de mon pays. Elle date de 19 décembre 2002. Je le fais pour M. Ouattara, j'avais 29 ans. Pour laquelle mon papa Laurent Gbagbo a pris des lois d'amnistie pour me pardonner. Depuis ce jour, je continue de demander pardon au peuple ivoirien. Il y a 3 ans de cela, j'ai dit à nos parents du Nord, levez-vous. Demandez pardon publiquement au reste de la Côte d'Ivoire qu'on a pris les armes contre eux, au nom de Ouattara. Demandez pardon publiquement au peuple ivoirien. Demandez pardon publiquement à Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Tant que cela n'est pas fait, le peuple du Nord va manger cailloux sur Ouattara. C'est quelle humiliation ça? Ici, on va regarder la vidéo. Là, il a... Et c'est une occasion pour moi d'appeler Tikendja, Alpha Blondie, avec tous les milliards que vous avez là. Quittez Abidjan jusqu'à Divo, il y a la terre cadeau. Il suffit aujourd'hui à Lévier. On a construit un petit quartier à Andoussi ou à Tchassalé. Si tu veux aller là-bas, Lévier va aller se reposer là-bas. Pourquoi vous ne le faites pas? Ouattara, c'est un gaba de nos parents. Aimez-vous dès là, vous avez pris tout votre temps à raconter vos vies.
contre Gbagbo, contre Bédié. Vous avez soutenu Ouattara. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Quittez Abidjan jusqu'à Divo. Il y a la tête cadeau partout. Draman ne veut plus voir un Djoula sale à Abidjan. Il veut... Abidjan, là, c'est pour les expatriés maintenant. Les Français et les Américains. Et tout ce qui est européen. Draman ne veut plus voir un Ivoirien pauvre à Abidjan. C'est pourquoi il casse tous les jours. Mais la jeunesse va se débrouiller. Mais des vieillards comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Dans l'eau, dans sa maison. Le vieux Sénifo, tous ses enfants sont morts pour Ouattara. Putain de merde, quelle humiliation. Regardez. Presque inondé sur lequel se Allah trouvent ses effets. Hé! Chers parents, mon caissain. Voilà. Voilà, chapelet là dans l'eau. Mon caissain, ça se passe sur Ouattara. Président Laurent Gbagbo, tous les jours, pardon. Oui, tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas un fils de bâtard. Et il voit que les gens, ils m'écrivent tous les jours, Zouzou, hein, ils demandent pardon. Gbagbo nous aime pas, il n'aime pas Soro. Et le Boussman n'aime pas les Djoula. Moi, je supplie dans ça là. Tous les jours, on m'écrit ici. Je supplie dedans. Boussman aime Djoula, Boussman n'aime pas Djoula. Moi, je m'en fous de ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Mon frère Aziz, j'ai parlé du Mali fatigué. Sinon, Draman peut rentrer chez lui au Burkina. D'accord? Vous comprenez? Mali, là, j'ai fini ce combat-là déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Go, Aziz, toi, tu es un bouki. J'ai même pas besoin de te répondre ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Depuis Ouattara est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, regardez. Quelle humiliation pour le peuple du Nord. Quelle humiliation. Regardez les conditions de vie. Ça, c'est un peuple, ça. Impossible de s'adresser à Ouattara. Impossible de s'adresser à Ouattara. Et quand je parle de ça, les animaux viennent écrire ah, on va doucement. Boussman, nous, là, nous aime pas. Vous allez rester dans ça. Bon, Boussman, là, vous aime pas. Mais vous refusez aussi la sécession. Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis prêt. Je suis prêt pour ça. Diviser la Côte d'Ivoire en deux. La République de Dramanistan au nord. Et les gens vont vivre au sud. Lorsque tu ne peux plus vivre avec ta femme, ta propre femme, vous vous séparez. Vous refusez de vous séparer de Boussmani. Vous nous emmerdez. Boussmani n'aime pas les Djoula. C'est que les Djoula ont montré à Soro qui va faire son madame la ministre. C'est Boussmani qui a montré ça. Il y a une vidéo de Soro ici. Je vais vous montrer. C'est que. Est-ce que c'est Gbagbo Boussmani qui a tué Ouattara? C'est Bédié Boussmani qui a tué Ahmed Bagayoko? C'est Gbagbo Boussmani qui a tué Gon Koulibaly? C'est Bédié Boussmani qui a tué Amadou Soumaoro? C'est Gbagbo Laurent qui a tué Ibrahim Koulibaly? Dit, arrêtez de m'emmerder. Et vos Black Royal, moi, je ne suis plus dedans. On m'écrit tous les jours, je regarde, je ne lis même pas. Et moi, je suis ici. Va doucement. Président Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon tous les jours. On demande pardon à la nation ivoirienne tous les jours d'avoir participé à la rébellion des merdes de Draman. C'est fini. C'est pas compliqué. Vous comprenez? C'est pas compliqué. Une rébellion des merdes qui a bouffé tous les enfants du Nord, qui est venu massacrer les Ivoiriens. Et ensuite, une fois au pouvoir, nous exécuter. Le peuple du Nord, mes parents, sont soumis à une humiliation qui ne dit pas son nom. Mon Dieu, sur Ouattara, pas sur Laurent Gbagbo. On me dit, Zouzou, il faut te taire. Hey! J'ai dit, je n'ai rien dit encore. Ça se passe sur Ouattara. Regardez ici. Là, il a... Non, c'est triste. C'est dommage. À Kumasi. Kumasi, capitale d'un pays africain. Oui. Que tu le veux ou pas, Kumasi, c'est Abidjan. Capitale d'un pays africain. On me fait croire que la Côte d'Ivoire est devenue Australie. Tous les partisans de Draman sont en Europe ici. Wallahi Bilay. Tu vas leur donner 1 million d'euros. Moi, je connais tout. En Italie, c'est là, je ne suis pas caché. Tout RDM me connaît. Tu donnes 1 million d'euros à un militant de Draman. Monsieur, voilà 1 million d'euros. Prends madame et les enfants, rentre en Côte d'Ivoire. Tu ne viens plus ici. Tu rentres définitivement. Il ne va pas prendre. Il ne va pas partir. Ils savent que c'est l'enfer. Vous comprenez? Ils savent que je viens de Saint-Doux. Vous comprenez? Saint-Doux. Tu comprends un peu? Voilà. Je viens de Saint-Doux. Fils de bâtard, dégage là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas donner 1 million d'euros. 1 million d'euros.
à un militant de Draman ici, 2 millions d'euros. Tu dis, monsieur, prends madame et les enfants, va en Côte d'Ivoire, tu ne retournes plus ici. Voilà, il ne va pas partir. Ils savent que ce n'est pas un pays. Ils savent ce qui est dedans. Tu vois? Putain, regardez, quelle humiliation. Hein? Envoyer les enfants à l'abattoir. Vous comprenez? Envoyer les enfants à l'abattoir. My God. Oh. Et une partie de son corps, le côté droit, sont paralysés. Et depuis plus de 3 ans, cet octogénaire n'a plus jamais remis les pieds dehors. Hey. Mon pire, moi, on a pris couteau en coupe. Hey. Hey. Avec la saison de pluie, sa situation est devenue encore dramatique. Sa maison est constamment inondée. Et c'est sur le mur, ainsi que sur le lit et une vieille table, que son épouse a réuni leurs affaires pour les protéger de l'eau. Elle est coursée. Il ne peut rien faire. Si ce n'est pas moi, là, il ne peut rien faire. À cause de ça, tous les parents, là, ils ont... Les petits Djoula, là, connais, toi, tu es un Malien, d'accord? Tu ne viens pas raconter ta vie ici, tu dégages, je n'ai pas besoin de vous ici. Voilà, tu as écrit quelque chose de très important que toi-même, tu ne connais pas ce que ça veut dire. La vérité rattrape toujours. C'est vrai, c'est la vérité qui nous a rattrapés aujourd'hui ici, Ouattara. Tu comprends un peu? C'est la vérité. Ça dit, aujourd'hui, moi, je m'assois. Je regarde le film, ce que nous, on a fait pour Ouattara, dans le pays-là. Mon papa, Laurent Gbagbo, nous a dit à l'époque, hey, Zouzou, vous me battez pour un diable que vous ne le connaissez pas. Si cet homme prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, le plus sensé parmi vous, il y aura en exil. D'autres seront assassinés, d'autres en prison. Le plus sensé, c'est Djom Soro, il est en exil. Les Ahmed Bagayogo, les Ibrahim Koulibaly, dit Ibe, les Ouattao, les Gon Koulibaly, les Amadou Soumaoro, et ils ont été exécutés. Soro Konyo Lassina Koulibaly. D'autres en prison, Souleymane Kamaraté, Soul Toussoul, Herman Kone, Kader Doumbia, oh mon Dieu. Ça se passe sur Ouattara. On me dit, faut t'éteindre, petit rebelle d'hier, fils de bâtard, d'Angadé. Aujourd'hui, là, c'est Facebook qui fait. N'importe quel parmi vous, c'est-à-dire, face à moi, là, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire, vis-à-vis, là, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est Ouattara qui a mouru ta maman et puis tu as vu le monde. Non. Ouattara n'est pas ton père. C'est nous, on a mis Ouattara au pouvoir. Donc, vous dégagez d'ici. Je n'ai pas besoin de vous. Et puis, le petit Djoula sale, là, si vous continuez de m'emmerder, ce que je ne vais pas dire, là, je vais dire. Vous savez, il y a des trucs, là, il y a des mots, je refuse d'employer parce qu'il y a beaucoup de mamans ici. Beaucoup de personnes qui me suivent. Voilà ma maman, très chère maman, ou quoi Dieu qui est là. Sois salué, maman. C'est à cause de mes mamans qui sont là, là. Il y a des mots là que je n'emploie pas. C'est que nous, on a échappé pour Ouattara. À cause de Ouattara. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut te taire. Ce n'est pas moi. Non, on va parler parce qu'on a fait pour Ouattara. Tout ce qu'on a fait pour Ouattara sur la base des mensonges, c'est cette vérité-là qui nous rattrape aujourd'hui. Vieux Mamadou Koulibaly couché dans l'eau à Koumassi sur Ouattara. Tikendi Alpha Blondie, des deux comédiens, vous ne pouvez pas construire un village, faire sortir nos parents d'Abidjan, vous leur proposer de venir s'installer ici, avant que Ouattara va finir avec eux tous, du n'importe quoi. Ouattara, dénoue-nous. Voilà, il ne peut rien faire. À quoi de ça, tous les parents. Donnez-moi numéro de maman. S'il vous plaît, ça se passe sur Ouattara. Aïe. Yeah. Ça se passe sur Ouattara. Fils de bâtard d'Angadé. Il est couillé slamé. Toi, tu es musulman. Toi, tu pries. Bago Laurent combattu. 10 ans attrapé, envoyé à la CPI. Et retourne en Côte d'Ivoire et crée son parti. Toi, tu es là, tu ouvres ta sale gueule. Si tu es musulman, il faut arrêter de prier. Voilà, ça, c'est l'œuvre de bon Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Tu comprends un peu? Tu dis, tu es musulman. Dieu a agi. Dieu a joué son rôle. Dieu a travaillé. Mais tu es musulman, tu n'es pas d'accord. Les animaux de Ouattara, aucun parmi eux savait que Gbagbo allait retourner de ce pays. Mais il est retourné. Il a créé son parti. Vous êtes là encore. Bousmane n'aime pas le Djoula. Gbagbo, hey, je m'en gaba de ça. En tout cas, moi, je m'en fous de ça. Moi, je suis ici. Attention, my God. Vous comprenez? Attendez. Il y a beaucoup de moutons que je vais. Après, j'ai fini là. Je vais les envoyer au cimetière en même temps. Allons-y, les vieilles. Voilà, il ne peut rien faire. À cause de ça, tous les parents, là,
Ils ont laissé lui. Hey! Je ne peux pas dire bonjour même. Hey! C'est moi ce qui est là. Si l'eau est beaucoup là. Hey! Il y a RD. Allah Akbar. Allah Akbar. Hey! Des plans. Il va poser 6-16 là. Hey! Si l'eau est partie. Hey! Et ça, il fait descendre. Djula! Condition de vie de Djula sur Ouattara. Bagou est mieux. Bégué est mieux. C'est Naouma, mon jeune frère. Je suis fatigué. Mais je devais sortir faire cette vidéo il y a très longtemps. Voici condition de vie de nos parents, dit non, sur Ouattara. Bagou est mieux. Bégué est mieux. Oui, oui. J'ai mal. 95% des enfants du Nord ont été envoyés à l'abattoir pour que Ouattara soit président. Une fois Ouattara au pouvoir, Dom Soro, on ne sait pas où il se trouve. Ahmed Bayo exécuté. Gon Kloubali exécuté. Amadou Smaoro Tchomba, Amadou Cimetière. Celui qui a dit, si tu dis Ouattara n'est pas joli, on va t'envoyer au cimetière. Je parle devant vous ici aujourd'hui. Amadou Smaoro, que son âme repose en paix, il est au cimetière. Vous comprenez? Ahmed Bayo, Golden Boy. L'espoir de tout un peuple de Yoruba était envoyé au cimetière. Fils de Bata Ali, tu dégages d'ici. Tu es bête, tu viens regarder un bête. Moi, je ne comprends pas les petits Djula là-bas. Moi, je suis bête. Et puis toi, tu viens sur un bête. Comment on peut expliquer ça, mon Dieu? Et puis ces gens-là, ils sont partis à l'école. Leurs parents ont payé leurs études. Moi, je suis bête, d'accord. Mais toi, tu viens regarder un bête. Comment on peut expliquer ça? Tu sais pas un petit Djula de Draman. N'importe quoi. Tu dégages d'ici. Tu es naïf. Tu n'as rien dans ta tête. Ils ont peur de Gbagbo, ces gens-là. Vous regardez la causerie. Oui, à ça. Donc Gbagbo, là, quand il était au pouvoir, il a fait quoi? Voici le discours des moutons de Ouattara. Ça là, moi, je ne prends plus. Ça là, ça ne rentre plus dans mon cerveau. C'est ça le problème. On n'arrive pas. C'est-à-dire, hier, on m'a fait croire ça. Hier, on dit Gbagbo est xénophobe. Gbagbo n'aime pas les Djoula. Gbagbo n'aime pas les musulmans. Gbagbo n'aime pas les étrangers. Hier, yeah, on m'a fait croire. Et je crie à ça. Aujourd'hui, je sais que c'était ce qu'on m'a dit et c'était faux. Gbagbo qui n'aime pas les Djoula, il a payé Anakad de nos parents 650 francs CFA. Draman qui aime les Djoula, Anakad n'est pas acheté. Elle est brûlée. On brûle Anakad au nord. Entre Gbagbo et Alassane qui aime les Djoula. Gbagbo qui n'aime pas les musulmans, il n'a jamais détruit une mosquée. Draman qui aime les musulmans, il a cassé 3 mosquées à Abidjan. Expliquez-moi les animaux, comment ça se passe. Gbagbo qui n'aime pas les musulmans, il n'a jamais arrêté un imam jeté en prison. Ouattara qui aime les musulmans, qui aime le Djoula, il a cassé maison, toutes les maisons de Djoula, il a arrêté les imams, il l'a mis en prison. Donc, c'est-à-dire, après 15 ans, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais on m'a blagué, j'étais trompé. Oh mon Dieu, les moutons de Ouattara, allons-y, signe. On dit que quelqu'un n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Il n'aime pas les étrangers. Mais quand il était au pouvoir, il n'aime pas les nordistes. Il payait Anakad à 650 francs CFA. Ouattara qui s'est autoproclamé fils du Nord. Ouattara qui s'est autoproclamé Djoula. Si son règne, si son gouverneur, Anakad n'est même pas acheté. Nos parents m'ont fait là, on brûle ça. Ils brûlent. Vous comprenez? Si Ouattara. Babo qui n'aime pas les musulmans, il n'a jamais arrêté un imam. Ouattara qui aime les musulmans de Manhattan, qui a cave de l'alcool chez lui à la maison. Oui, drobon. Avec Ouattara, bro, à ce moment. Cave d'alcool. Qui aime les musulmans, il a attrapé les imams, j'étais en prison, il a détruit 4 mosquées en Abidjan. Qui dit mieux entre Gbagbo et Ouattara, qui aime les Djoula, qui aime les musulmans. Et cette manipulation-là, jusqu'à ma mort, je ne vais plus prendre. Ça ne ça peut plus rentrer ici. Je sais entre Bousmane et Djoula, qui est xénophobe, qui est raciste, qui aime qui n'aime pas qui, je sais. Nadej, ma petite sœur, sois saluée. Je sais. Entre Djoula et Bousmane, moi j'ai juré sur le Coran ici, il n'y a pas plus xénophobe, plus raciste que Djoula. Vous voyez, voici les deux petits Maliens guinéens là, ils me suivent ici. Petit guinéen, il va aller enrôler son frère guinéen sur la liste électorale. Il dit, va voter Ouattara. Si Ouattara devient président, vous êtes sauvés en Côte d'Ivoire ici. Le petit guinéen, il se rend compte qu'il était trompé. Il n'est plus d'accord avec Ouattara. Son frère guinéen là-bas venu lui dire que toi, tu es un guinéen. Et ça, c'est Djoula, ça. Vous comprenez? Un peuple, ils sont avec toi quand tu es d'accord avec eux. Le jour où tu vas leur dire non, tu deviens leur ennemi. C'est ce qui est arrivé à Soro.
Quand Souré était à Ouattara, Souré était le chouchou. Le jour où Souré a dit non à Ouattara, il est devenu les ennemis. Voici le problème d'un peuple. Djoula, c'est comme ça. Il est toi. Le jour où tu lui dis non, il devient son ennemi. Ouattara n'est rien. C'est nous, on a mis Ouattara au pouvoir et les armes. Ouattara n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Un petit musulman, je prends le bon Dieu à témoin. Élection de 2010, là, Ouattara n'a rien gagné. Vous comprenez ça? Élection de 2010, là, Ouattara n'a rien gagné. Vous comprenez ça? Ok, on va avancer. Allahu Akbar. Eh hey, non, my God. Si Ouattara, regardez. Mamadou travaillait comme docker au port autonome d'Abidjan. Aujourd'hui, sa vie ne tient qu'à un seul fil, vu sa condition. On me dit, Zouzou, c'est les musulmans qui sont au pouvoir, avec tous les milliards que Draman a à sa main. Il ne peut pas évacuer Viera. Il ne peut pas construire un nouveau quartier pour que ceux-là n'ont qu'à partir là-bas. Tikenja Fakoli, Alpha Blondy, les deux fils de Draman, quittaient Abidjan jusqu'à Divo. Il y a la terre que vous ne pouvez pas construire. Sois salué, mon très cher grand frère, sur le départ, big respect à toi, Chao. Youbiou, qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège, on ensemble. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Regardez les conditions. Eh, hey, mon frère, il s'appelle comme Ouattara Moussa. Si il parlait là. Bon, lui, là, c'est un Ouattara de Burkina, cousin de Draman. Vous comprenez? Bousmani et Djoula, il n'y a pas de comparaison possible. Voilà, j'ai compris après 10 ans, après 15 ans, qui est qui. On a été manipulé. Ça là, moi, ça rentre plus ici. Vous comprenez? Ça rentre plus ici. Vos bêtises là, moi, ça rentre plus. Dites-moi, c'est Gbagbo qui a tué Ouattara? C'est Gbagbo qui a mis Soul tout seul en prison? C'est Gbagbo qui a tué Gon Koulibaly? C'est Gbagbo qui a tué Amadou Smaoro? C'est Gbagbo qui a tué Ouattara? C'est Gbagbo qui a tué Ibrahim Koulibaly dit Ibé? C'est Gbagbo qui a tué Soro Konyo? C'est Gbagbo qui a tué Lassina Koulibaly? Répondez les animaux. J'ai dit tuer parce que tous ceux-là ont disparu, ont trouvé la mort sous gouvernance de Ouattara. Soro Konyo a été égorgé à Koroko, confisqué son corps, non à Gaïwa ni à maman. Dieu merci. Soro Kibafori Djom n'était plus à Draman. Oui, Dieu merci, mon papa Laurent Gbagbo n'était plus aux affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Réveillez-vous, les animaux. Conditions de vie d'un peuple qui a sacrifié tous ses enfants pour Draman. Ça fait pitié. Regardez, my God. Ça fait pitié. Allez-y. Voilà. Ça fait pitié. Regardez ici. Là, il a là. Hé, hey, j'ai besoin du numéro de maman. L'épouse et lui sont menacés par l'eau. Hey. Qui, lui, est condamné de vivre dans cette maison sans savoir en ce qui se passe. En Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ça se passe en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Koumassi, c'est Abidjan. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Koumassi, c'est Abidjan. Allahu Akbar. Chers parents du Nord, Aïe Savari, Aïe Boualassane encore. Aïe Savari, adressez-vous à Alassane. Mon peuple n'a jamais été humilié autant en Côte d'Ivoire que sur Alassane Ouattara. Mon peuple n'a jamais été humilié autant en Côte d'Ivoire que sur Alassane Ouattara. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, chers parents du Nord, réveillez-vous. Désavouez Ouattara. Quittez derrière Ouattara. Abandonnez Ouattara le plus rapidement possible. Quelle humiliation. Mamma mia. Après les Italiens. Quartier d'Ivo. Avec la saison des pluies, sa situation est devenue encore dramatique. Hey! Sa maison est constamment inondée. Regardez. Et c'est sur le mur ainsi que sur le lit et une vieille table que son épouse a réuni leurs affaires pour les protéger de l'eau. Elle est coupée. Et pas rien fait. S'il vous plaît, envoyez-moi un numéro de maman, s'il vous plaît. Alpha Blondy Tikenja, papa doit quitter ici. Oui, je vous le dis, quitter Abidjan jusqu'à Divo, il y a la terre gratuite, la terre cadeau. Allez-y, construire. Big respect à Magic System, à Salfo, qui est en train de construire les écoles partout en Côte d'Ivoire. Je te salue ici, le vieux. Tikenja Alpha Blondy, Draman ne peut pas tuer tous nos parents. Évacuez-les.
S'ils veulent retourner au village, ils n'ont qu'à partir. Mais faites-les quitter Abidjan. Mamma mia, porca Lazarona, porca miseria. Là, il est là. Hey, ici, c'est dommage. Papa, il y a quoi à vous? Et je vous dis ici que le vieux a perdu tous ses enfants dans la rébellion pour que Ouattara soit président. À Koumassi, tous nos parents Djoula du Nord ont voté pour Ouattara et pour Cissé Bakongo. Même ceux qui ne sont pas du Nord. Tous ceux-là, les familles, ils ont voté pour Cissé Bakongo. Si je deviens maire, Koumassi sera transformé. Voilà, papa est couché dans l'eau ici. Et une partie de son corps, le côté droit, sont paralysés. Hey! Et depuis plus de 3 ans, presque inondé, sur lequel se trouvent ses effets. Regardez! Regardez, chapelet dans l'eau. Allahu Akbar. Le vieux, je ne pouvais pas rester silencé. Ouattara là, moi j'ai le dossier avec moi. Oui. Hey, mon frère, ton soro a fait quoi pour... Oh mon gars, oh mon Dieu. Ces gens-là, même chien est mieux que ceux-là. Chien est mieux que vous. Ton sera a fait quoi pour nous? Regardez. Il y a une vie dans le soro ici. Où il s'adresse à vous là. Bon, je vais te montrer en même temps. Et puis je vais te bannir. Tu vois? Tu vas regarder la vidéo. Et puis je vais te bannir. Il a dit ton soro, il a fait quoi pour nous? Je vais te bannir. Tout de suite là, tu vas écouter la vidéo. Je crois que on a... Le vieux, il y a quoi vous? Cette vidéo, je ne peux pas terminer, elle est trop forte pour moi. Inch'Allah, Dieu est en train de nous montrer ce qu'on a fait hier qu'on ne devait pas faire. Mais Dieu va nous sauver. Il m'a dit, Zouzou, vous serez sauvés. Mais pour l'air, vous devez payer. Vos parents doivent payer le combat que vous avez mené pour Ouattara. Parce que ce combat n'était pas basé sur la base des vérités à 100%. Vous comprenez? Mais Dieu va nous sauver. Alors ici... Je vais vous montrer la vidéo. Il y a un animal de Draman qui a dit Soro a fait quoi pour nous ici. Je crois que j'ai envoyé cette vidéo là ici. Voilà, on va. Je crois que c'est ça. C'est ça. Disent que je suis un opportuniste. Non, c'est pas ça, my God. J'ai envoyé une vidéo là ici avant-hier. Là. C'était une réponse très claire pour ces animaux là. Attendez. J'ai montré vidéo là avant-hier. Qui disent que je suis un opportuniste. Ils ont la mémoire courte. Parce que bien que j'étais le numéro 2 de... Papa, attends, c'est pas ça. La vidéo, elle est là, j'ai envoyé ici, s'il te plaît. S'il vous plaît, un instant. Le vieil, à quoi toi? Ça, c'est Laurent Gbagbo, mon papa. J'ai envoyé vidéo là ici. Nous, on n'a pas peur d'enrouler les étrangers pour constituer nos bases électorales. C'est eux qui viennent m'insulter ici. Là. Voilà, voilà la vidéo ici. Allons-y, papa. Il s'appelle comment? Qui disent que je suis un opportuniste. Mais qu'est-ce qui n'est pas marché, là? Non, c'est pas ça. C'est une vidéo. C'est ici. Voilà ça. Ok, après, je vais transformer la vidéo, là. Voilà. Il m'est arrivé moi-même quelquefois de me... Écoutez, ton soro a fait quoi pour nous? Je vous ai dit, ce n'est pas un juif, ce n'est pas tous les djoulas. Je connais cette ethnie-là. Je suis né parmi eux, grandi parmi eux. Je connais ce qu'on appelle djoula, moi. Vous comprenez? L'ethnie qu'on appelle djoula, je suis né parmi eux, grandi parmi eux, je connais. Vous comprenez? Ce type-là, il s'appelle comment? Valdeni Camara. Bon, toi, je ne vais même pas te répondre. Voilà. Tu vas aller prendre Kanja Kamara et puis vous allez rentrer tous les deux. Ok? Ici, ils ont oublié ce que Soro a fait pour eux. On va écouter la réponse que papa va donner. Quand je vois le degré de haine, j'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui, M. Ouattara me voue. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui, les partisans de M. Ouattara me voue. Ok. L'animal, tu as compris? Valdeni Camara, c'est papa Soro qui parle. Et un moment donné, Ouattara se couchait. Il dit à Soro de marcher sur lui.
Tu as oublié ça. Vous comprenez? Un moment donné, Soro faisait pipi. Il disait à Ouattara, prends, il faut boire. Ouattara allait boire. Oui, Djula a oublié ça. Il dit, il se pose la question, la degré de haine que M. Ouattara est contre lui. La degré de haine des animaux, des moutons de Ouattara contre lui, il ne comprend pas. Et vous allez voir. Surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Il ne comprend pas. Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. À M. Ouattara. Contre Ouattara. Voilà. Ouattara a dit à des chefs d'État. Voilà. Que j'ai voulu faire un coup de pied au cul. Ouais. Puisque Yom Soro n'a rien fait pour Ouattara. Ok. Yom Soro n'a rien fait des mots qui tuent plus que la mort. Parce que la mort, quand elle vous prend, vous êtes mort et puis bon, vous ne souffrez plus. Mais il y a des mots. Quand vous les prononcez contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Voilà. Monsieur Ouattara, pour lequel, même si aujourd'hui ses militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara. Ok, papa, attends. L'animal Valdeni Camara, c'est papa Soro qui parle. Wallahi billahi tallahi, au nom de Dieu. Il fut un moment en Côte d'Ivoire. Soro dit, Ouattara, il faut t'asseoir, je vais mettre mon pied sur toi. Ouattara allait s'asseoir, Soro allait s'asseoir comme ça, met son pied sur Ouattara. À l'hôtel de golf. Petit, il ne faut pas faire en parler. C'est maintenant vous parlez. Donc même si les animaux de Ouattara, comme toi, disent, je n'ai rien fait pour Ouattara, ça veut dire Djula, ce n'est pas un homme. Mais ce n'est pas tous les Djula. Il faut préciser ça. Djula qui suit Ouattara. C'est-à-dire, voici un peuple qui vient se autoproclamer les animaux de Ouattara. Si c'est Bagongo. Oui, oui, oui. Nous, on est fiers d'être moutons de Ouattara. Un être humain, Adam Adin, il ne sait qu'à fort que tu es fier d'être animal de quelqu'un. Si c'est Bakongo, l'un des cadres du Nord, l'un des cadres du RHDP est venu. Oui, nous sommes des moutons de Ado. En tout cas, moi, je suis fier de ça. Vous êtes fier d'être mouton de Ado, oui ou non? Tu attends, oui. Je dis, hey, mon Dieu. Voici un ethnie qui dit que lui, il est fier d'être animal de quelqu'un. Mouton, là, c'est animal. C'est pourquoi je vous appelle les animaux. Avant, je disais mouton et le cabri. Mais je dis, mais mouton et cabri, c'est des animaux aussi. Donc, ce n'est plus la peine de les appeler Mouta et Kabri. Valdeni Camara, Valdeni, il faut prendre ton nom guinéen là, ou ton nom je ne sais pas quoi. Valdeni là, ce n'est pas ton nom qui est là. Il faut laisser ça. Voilà, tu prends nom africain, tu mets là le code Valdeni Camara. Ici là, moi je ne suis pas vos camarades. L'homme qui vous parle là, il était patron du RDA ici. Ici en Italie, moi, Milan, patron, vice-président, chargé de la mobilisation. Responsable du RDA après la rébellion. Je ne suis pas vos camarades. C'est pourquoi on me dit toujours, Jésus, il ne faut pas répondre les animaux là. Mais pas, voilà. Ado Ouria, il est encore ici. Valdeni, quoi, Ado Fouri, faut rien. Voici un être humain qui dit que nous sommes des animaux de Ouattara. Que nous sommes des animaux. Les moutons de Ouattara, on est fiers de ça. Même si les animaux de Ouattara disent qu'ils n'ont rien fait pour Ouattara. Donc, je serais écouté. J'ai quand même donné les années sacrées. Les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Les moutons de Ouattara, papa Soro, il ne comprend pas ces mots-là. Maman Douchka, très chère maman, sois saluée, big respect à toi, maman. Vous comprenez? Il me met tombé. Oui, oui, j'ai vu ça. Il n'a rien vu. Il me met tombé. Ça, c'est message de bon Dieu. Voilà. Grand frère, Apollo, il me met tombé. Ça, c'est rien, ça, c'est petit. Donc, ces gens-là, même si les moutons de Ouattara disent qu'il n'a rien fait pour Ouattara, j'ai quand même sacrifié ma vie précieuse pour le combat de Ouattara, pour réhabilitation de Draman de Sendou, parce qu'il n'était pas ivoirien. Pour qu'il soit reconnu ivoirien, Soro a dû se battre. Les moutons de Draman ne comprennent même pas ce qu'il veut dire. J'ai dû sacrifier la précieuse de ma vie. Tu vois, il ne comprend pas ce qu'il avait dit. Vous comprenez, papa Soro, allons-y. Il est en train de répondre les moutons là, Valdeni. Ciao, ciao, ciao. Valdeni, il est en train de répondre les moutons là. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat
pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour réhabilitation de Dramane au pouvoir. Un animal du RDA, il ne sait pas ce qu'il ne comprend pas ça là. Même si les animaux, parce que Valdemir Camara, il a posé la question, qu'est-ce que ton soro a fait pour nous? Il est en train de vous répondre ce qu'il a fait. Il dit, même si les animaux de Ouattara disent aujourd'hui que je n'ai rien fait pour Ouattara, soro a mal, il ne dort plus. Amel Bayon n'est plus là, Gonkloubani n'est plus là. Ouattara n'est plus là. Soro Konya n'est plus là. Ibe n'est plus là. Soro, il est seul. Il est en exil. Il dort. Donc, Soro ne dort plus la nuit. Quand il regarde la condition de vie de ses parents du Nord, à Tesnoro, Soro ne dort pas. Quand il regarde la vie sacrée, la vie précieuse qu'il a gâchée pour le combat de réhabilitation de Ouattara, au pouvoir en Côte d'Ivoire, Ouattara au pouvoir, Soro, regarde. Condition de vie de nos parents du Nord. Dom Soro ne dort pas la nuit. C'est pourquoi je demande à nos parents d'aller voir Ouattara. Quelle humiliation. Hé, hey, les moutons, écoutez. Coton Soro, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Ah, la main. Batra dit. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. Allahu Akbar. J'ai cassé ma vie de famille. Allahu Akbar. Et avec mes compagnons. Allahu Akbar. On a tiré sur mon avion. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans le combat pour la réhabilitation de M. Ouattara. Ah, ok, papa, quand il dit, petit, voilà ta réponse. Dans la D, ça, il n'a rien fait pour vous. Tu as posé une question, voilà, il a répondu. Pour toi, ça, c'est rien. Gâcher sa vie de famille, la vie précieuse, avec ses compagnons. Son avion a été bombardé. Tout ça pour réhabilitation de Dramane, de Sendou, au pouvoir. Et toi, tu viens me dire que Soro n'a rien fait pour vous. Tu n'es pas ivoirien, toi. Valdemir Camara, oui, oui. Voilà, Soro vient te répondre. Alors ici, vous savez pourquoi j'ai mal ici, moi, tous les jours. Quand je regarde conditions de vie de nos parents, tous nos grands frères sont morts. Mon beau-frère Ahmed Bayo a été assassiné. L'espoir de Ouarzougou, Ahmed Bayo, il n'est plus là. L'espoir de Poro, Korogo, Gonkloubali, il n'est plus là. Il n'est plus là. L'espoir de Tchologo est en exil. L'espoir de Dengele, la Sina Djabi, on ne sait pas où lui est rentré. C'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite, Dramane fait de nos parents ce qu'il veut. Vous comprenez? Dramane fait de nos parents ce qu'il veut. Oui, j'ai oublié, putain. L'animal de Sénégal devait faire son discours aujourd'hui à 20h. Oh my God, on m'avait dit ça. Je devais suivre là, et puis voilà, mais j'ai oublié. Toute la famille se régalait. Ce soir, j'ai un message à lancer à la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens. Bon, après, on va voir ça. Putain, apparemment, l'animal Macky Sall devait s'adresser à la nation aujourd'hui. Alors ici, on va continuer. Papa Soro a fini de vous répondre. Papa Soro a fini de vous répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Un animal de Dramane ne peut pas venir raconter sa vie devant moi ici. Jamais de la vie. Attendez, ouais, ça c'est ma maman. Je prends une vidéo là parce que... Comme ça, on va classer ça ici. Vous comprenez? Il vient de te répondre. Mon frère, moi je suis très loin d'être animal. Va chercher une vidéo. Où, tu vois Tricot là? Ça c'est Soro. Derrière ici là, c'est écrit Zouzou le Gangaba. C'est pas écrit Mouton de Ado. Vous comprenez? C'est l'animal qui s'en a payé Tricot. Et puis il est écrit derrière Mouton de Ado. Voilà ça ici. Tu vois ça là? Voilà. Mouton de Ado. Un être humain. Ton papa, ta maman ont eu des rapports sexuels. Tu es né dans ça. Tu vas venir leur dire que toi tu es Mouton de Ado. Moi je ne suis pas un animal. Tu dis moi-même animal. Envoie une vidéo où Jésus est en train de dire moi je suis Mouton de Soro. Il n'y en a pas. Si c'est Bakongo, cadre du Nord, cadre du RADP, en meeting, en public, il a dit qu'ils sont fiers d'être les animaux de Ouattara. En tout cas, lui, il est fier de ça. Et il pose la question aux moutons. Les moutons disent qu'ils sont fiers d'être les animaux de Ouattara. Adam a dit, un être humain, la créature de bon Dieu, la créature de bon Dieu, un être humain, né d'une paix, une mère, tu vas venir t'arrêter devant nous en 2023 que toi, tu es mouton. Que toi, tu n'es pas être humain. Tu es mouton de quelqu'un. Le jour,
Ces personnes n'est plus là. On va te manger, tu es mouton. Amis, renumi. Tu dis tu es mouton de quelqu'un. Mais la propriétaire de mouton n'est plus là. Donc, mouton là, on va briser ça. C'est de ça qu'il s'agit. Oh my God, lui là aussi, j'ai. Ok. Ça, c'était la réponse des animaux de Ouattara. Macky Sall, oui, il devait s'adresser à la nation. Insultant. My God. Président, là, c'est moi, je l'ai installé au pouvoir. Je n'ai jamais insulté Dramane. Si vous cherchez quelqu'un qui a insulté Dramane, c'est Johnny Pacheco, il est à Freeland. Allez-y lui chercher. Il est là-bas, j'ai sa vidéo ici. Voilà, moi, je n'insulte pas Ouattara. Je le critique. J'ai mal contre lui. Il nous a trompés. Nos parents vivent dans une situation pour laquelle qui m'empêche de dormir sur Dramane. Voilà. C'est pas injuste de critiquer, voilà ça. Mouton de ado. Hein? Son papa n'a pas à manger, sa maman n'est pas à manger. Ses enfants vont pas à l'école. Tu lui donnes 1000 francs, il n'a qu'à aller payer sucre. Il va aller payer tricot pour écrire derrière. Moi, je suis mouton de ado. C'est pas dingue ça, malédiction de Dieu. Alors ici, je vais vous montrer une dernière vidéo et puis on va se laisser. Ici, ceux qui me parlent de Bousmani, Djula, Gbagbo n'aime pas les Djula, Bousmani. Regardez cette vidéo là rapidement. Moi, je sais que Bousmani est plus gentil que Djula, et c'est ça. Voilà, on va regarder cette vidéo là rapidement. Bon, ça, c'était chez moi, à Milan, ici. En Espagne, on va partir très rapidement. Écoutez! Les gens sont renvoyés. Écoutez! Touré Moussara qui est renvoyé. Écoutez! Les gens sont renvoyés. Touré Moussara qui est renvoyé, là, est-ce qu'il est baoulé? Est-ce que c'est un baoulé qui l'a renvoyé? C'est pas Alassane Ouattara et son gouvernement qui ont renvoyé Touré Moussa. Touré Moussa, mon très cher grand frère qui a renvoyé, là. Qui est en exil à Essoro ici, est-ce que c'est Bédié qui l'a renvoyé? Non. Ce n'est pas Bédié. Bédié, c'est un Bousmani. Mais ce n'est pas Bédié qui l'a renvoyé. Voilà. Vos bêtises là. J'ai dit, on dit, moi j'ai fait une fausse communication un jour sur Facebook où ça m'a rattrapé. C'est pourquoi j'ai fait attention à ce que j'ai dit. Sinon, aujourd'hui là, c'est qu'il a annoncé qu'il ne sera pas candidat. Ah bon? Ah, grâce, Dieu merci. C'est bien. Il n'a qu'à partir. Vous comprenez? Ouattara dit, l'animal, il a brûlé le Sénégal. Mais il est mort dans le film. Voilà, après les élections, on va régler son compte. Ce n'est pas Alassane Ouattara et son gouvernement qui ont renvoyé Touré Moussa. Afousiata Bambala, est-ce qu'elle est budgée? Non. Les gens sont renvoyés. Touré Moussa là, qui est renvoyé là, est-ce qu'il est baoulé? C'est pas un baoulé. Est-ce que c'est un baoulé qui l'a renvoyé? Non. C'est pas Alassane Ouattara et son gouvernement qui ont renvoyé Touré Moussa. Ouais, ouais. Afousiata Bambala, est-ce qu'elle est bêtée? C'est pas un bêté. Est-ce que c'est le gouvernement de Gbagbo qui l'a renvoyé? C'est pas Gbagbo qui l'a renvoyé. C'est pas Gbagbo qui a renvoyé. Ma maman Afousiata Bamba, Dangade, fils de bâtard. Tu as venu me dire ici que Gbagbo n'aime pas le Djula. Ça, c'était le 19, c'était en 2002. Maintenant, là, ça rentre plus ici. Vous comprenez? Petit, va vomir chez ton papa, Dangade. Vous comprenez? Et voilà, il y a trop de moutons sur notre page, Raphaël. Ils sont trop, mais quand j'ai fini d'arriver à la maison, là, aller manger choukouya pendant que je mange, là, je vais les envoyer au cimetière. Voilà, mais chacun va dormir avec sa maman d'abord, coucher avec sa propre mère avant que je l'envoie au cimetière. Vous comprenez? C'est de ça. Madame la ministre, ma maman Afousiata Bamba, est-ce que c'est un bété? Non. Est-ce que c'est le gouvernement de Gbagbo qui l'a renvoyé? Non. C'est le gouvernement de Dramane. Donc, à partir de là, tu ne veux pas me dire que Gbagbo n'aime pas les Djula. N'importe quoi. Alassane Ouattara et son gouvernement du Nord là, qui a renvoyé Afousiata du Nord. C'est le gouvernement du Nord de Dramane qui a renvoyé Afousiata du Nord. Comment on peut expliquer ça, fils de bâtard d'Angadé? Hey, vous les animaux là, vous avez connu Ouattara lorsqu'il était aux affaires. Vous avez connu Ouattara quand il est devenu président. Nous, on a connu Ouattara. Au moins, il ne pouvait pas être maire. Il y a longtemps, j'ai fait vidéo, j'ai montré toutes les preuves. J'ai tous les preuves à la maison. J'ai connu Ouattara, il ne pouvait même pas être député en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Et vous l'avez connu lorsqu'il est au pouvoir. Vous ne pouvez pas venir discuter avec moi. Vous ne pouvez pas venir vous adresser à moi. Le jour où quelqu'un va tomber dans une embuscade avec moi. Eh non, mais ce n'est pas bon. Allahu Akbar. Je vous ai déjà dit, ici là, tous les gendarmeries, la police sont déjà bouclés. Je suis assis ici là. Depuis au central, on sait que je suis assis dans ma voiture ici. On me voit. Voilà. Si je m'enlève la main,
Tu n'as pas menti, Levier. Alors, Soro Tchorna, Alphonse qui est là, là. Son nom même Soro Tchorna, il est de Korodo. Qui l'a renvoyé? Est-ce que c'est Bagbo qui l'a renvoyé? Jamais. C'est pas le gouverneur d'Alassane et Amadougon qui l'ont renvoyé. Pour que... Bagbo n'avait pas ce temps de médiocrité-là. Mon papa Laurent Gbagbo, son seul erreur était d'aimer son peuple et d'aimer la jeunesse. Gbagbo pouvait, il pouvait nous tuer tous. Il pouvait en découdre avec la rébellion. Mais quand on lui a dit que, hé, hey, rébellion là, ce sont tes propres enfants là, il est rentré en négociation avec nous. Une rébellion, ça se mente. Vous êtes partis à l'école. C'est vous qui avez dit ça, qu'une rébellion, ça se mente. Gbagbo voulait mater la rébellion. Il était à Rome aussi quand on a attaqué le pays. Il voulait mater la rébellion, mais on lui a dit attention, ce sont tes propres enfants. Il a laissé. Vas-y, Lévi. Alphonse, on va se mettre au nord comment? Gbagbo, pour que ses enfants n'aillent pas à l'école, et puis après vous venez nous dire on attend se mettre au nord. On va se mettre au nord comment? Voilà. Donc arrêtez de m'écrire ici. Arrêtez. Boussmani n'aime pas Djula. Boussmani est mauvais. Si Gbagbo vient au pouvoir, il va tuer tout le monde. Moi, je connais la vérité, mais là, c'est faux. Bon, tu ne peux pas vivre avec Boussmani. Tu ne veux pas te séparer de la sécession de la Côte d'Ivoire. Hey, ce que je vous dis aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, le pays là va finir pour ça. Après Ouattara, là, il est impossible que le Boussmani et le Djula vont vivre ensemble comme avant. Ça, c'est fini. Ouattara a gâté ça. Pays là, comment on va finir pour ça? Moi, je vous dis, en même temps, personne ne veut prendre ces risques-là. Et cela va nous permettre à conserver beaucoup de vies humaines. Voici les gens. Ils quittent l'eau, ils sont tous au sud là-bas, ils sont députés, ils sont imams, ils sont transportés, ils ont des immeubles partout, mais ils disent que le Boussmane ne l'aime pas. Quelqu'un qui ne t'aime pas là, il peut te laisser venir t'installer chez lui, sur sa terre. Jusqu'à devenir député, celui qu'on a été là, c'est un Yakuba, c'est un Guéré. Vous comprenez? Kouyaté de Gagnoua, là, le maire, là, c'est un bété. Tu es chez quelqu'un qui ne t'aime pas, mais il te laisse t'installer jusqu'à devenir député dans son village. Et tu dis encore que ces personnes-là ne t'aiment pas. Votre manipulation, là, ça ne passe plus. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ici, on va continuer. Maman. Oh my God. On va se mettre au nord comment? Pas question. Gbagbo était là, on mangeait doucement. Combien c'est pas ça? Il ne nous renvoyait pas. Voilà. Alassane vient, on croit qu'on va l'envier. Oh, c'est là, on nous renvoie. Voilà. Et puis on nous dit, on n'a pas être au nord. On va être au nord comment? Gbagbo était là, on mangeait un peu. Nos parents vivaient dans la dignité. Alassane est venu, il a renvoyé tous nos grands frères. Il a assassiné d'autres. D'autres sont en prison. Nos parents sont humiliés. Et on nous dit, Zouzou, on n'a qu'à se mettre ensemble. Moi, j'ai pris dedans. Oudramane n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à libérer les enfants du Nord. Il n'a qu'à faire entrer Diom Soro. Libérer tous les prisonniers politiques. Tous en Côte d'Ivoire. En particulier nos grands frères qui ont pris les armes à son nom. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les animaux de Ouattara, vous me connaissez où hein? Pourquoi on va blâmer les gens ici? Quel nord? Quel nord? Nous, on n'est pas dans l'affaire de nord. Hein? Nous, on est dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Akamewa, on est dans Côte d'Ivoire. C'est pourquoi GPS aujourd'hui, Dieu merci, vous allez retrouver toute ethnie confondue des Ivoiriens dans GPS. De l'ouest à l'est, de sud au nord. Le seul mouvement qui n'est pas clanique, c'est GPS. On n'est pas dans l'affaire du Nord, nous on est dans Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire, les gens qui sont renvoyés aujourd'hui, depuis 1960, en 2019, le gouvernement ivoirien qui a le plus renvoyé les cadres du Nord en Côte d'Ivoire, c'est d'abord un gouvernement du Nord. Le Nord renvoie le Nord, le Nord tue le Nord. Les animaux, je vais devoir vous laisser ici, c'est pas pays des dramans, demain ça travaille. Akame ou bien à ma main. Donc votre affaire de Djoulamanistan, Nordistan, Dramanistan, là, moi je suis pas dedans. Tout ce qui est Djoulamanistan, le Dramanistan, le Nordistan, je suis pas dedans. Vous comprenez? Depuis 1960,
jusqu'en 2020. Le gouvernement qui a plus renvoyé le cadre du Nord, c'est le gouvernement du Nord. Le gouvernement qui a plus tué, qui a plus exécuté le cadre du Nord, c'est le gouvernement du Nord. Depuis 1960 jusqu'en 2020, le gouvernement qui a plus emprisonné les enfants du Nord, c'est le gouvernement du Nord. Depuis 1960 jusqu'en 2020, le gouvernement qui a plus contraint les enfants du Nord en exil, c'est le gouvernement du Nord. Le Nord tue le Nord. Le Nord renvoie le Nord. Le Nord emprisonne le Nord. Chers parents du Nord, réveillez-vous. J'ai mal. Aujourd'hui, posez-vous une question. Gangaba, il travaille tous les jours. Ce que je fais là, est-ce que je suis obligé de venir faire vidéo ici? Non. Je gagne ma vie tranquillement. Je vis ma vie tranquillement. Je ne suis pas obligé de faire ça là. Mais parce que j'ai contribué dedans hier. Et puis, je suis assis, je regarde les conditions de vie de mes parents du Nord sur Ouattara. Je suis obligé de parler. Voici les deux raisons. Je viens parfois, je suis fatigué. Actuellement, il est quelle heure? Il est 23h moins ici. Je suis encore dehors. Demain, il m'a travaillé. Vous comprenez? Je ne suis pas obligé de faire ça là. Mais comme j'ai participé dans cette marchance là hier, moi, et que ça n'a pas abouti, ça n'a pas marché, je ne peux pas rester silencié. Non, je viens dénoncer. Ce qu'on a fait hier, ça n'a pas abouti. Je fais mon meilleur culpa, et je dénonce. Et quand je regarde les conditions de vie de nos parents du Nord sur Alassane Ouattara, le vieux et sa femme sont dans l'eau. Tous nos grands frères sont morts. D'autres en prison, d'autres en exil. Papa Laurent Gbagbo, il est à Abidjan. Hey, tu dis, tu es musulman, fils de bâtard, réveille-toi. Chers parents du Nord, je vous demande pardon. L'heure est arrivée. Une délégation de Bafing, de Dengele, de Tchologo, de Poro, de Bagoué, de Ambol. Une délégation doit aller voir Ouattara. Pour faire retourner votre fils sur Rodium. Tous vos enfants sont morts. Et vous êtes humiliés. Demandez à Ouattara de laisser Diom rentrer. Déposer sa candidature en 2025. Demandez à Ouattara de libérer vos enfants qui sont en prison. Qui ont pris des armes. Pas au nom de l'islam. À son nom propre. Au nom de Ouattara. C'est ce qui me fait mal. On dit que parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent. On a pris les armes. Mais déjà, en réalité, ce n'était pas ça. Ce n'était pas à cause de l'islam. C'était pour que Ouattara soit président. Un musulman qui a cave d'alcool. Drobon, Alassane Nyabongo. Drobon, à Bébé Djini. Tous les suiveurs de Ouattara, personne ne sera sauvé parmi vous. Oui. Alassane a cave d'alcool à la maison. C'est lui-même qui a dit. Et quelqu'un qui est venu dire, parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Il a cap, ça dit, c'est la même, il doit être drogue, mais drobon, ça dit, une chambre réservée à l'alcool, c'est jamais vu. Voilà la vidéo ici. Faut pas, ces animaux-là, ils vont dire que j'ai menti là. Téléphone le plus dangereux, on va aller sur l'album de Draman. Voilà ça. Et regardez, très rapidement, avec Mouréan, hein, vidéo est là. On amenait des camions pour prendre tout ce qui. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Voilà. Hein? Voici l'un des mensonges. C'est pourquoi quand je dis, on se bat pour être sur la base des mensonges. Donc, à la fin, on sera les bras à l'année. Vous comprenez? Donc, pour qu'on soit sauvés, nous tous, on doit demander pardon. C'est Ouattara qui a dit. Ils sont venus. Ils ont commencé à casser. Ils ont trouvé la cave. Quand on dit cave là, c'est une chambre qu'on construit. C'est Doran seulement qui est dedans. Doran, quand tu te réveilles, tu viens, tu prends ça, tu dis, bon, ça là, je ne bois pas ça aujourd'hui. Et après, tu dis, bon, ça là, c'est whisky. Bon, ça là, c'est champagne. Ils vont Doran, bon, où tu vas choisir ce que tu dois boire. Cave d'alcool. C'est le Draman qui dit. Et on a pris les armes à cause de lui. Que parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Un musulman qui a cave d'alcool chez lui à la maison, ça veut tout dire. Chers parents du Nord, allez-y voir Ouattara. Demandez à Ouattara que vous avez trop fait pour lui. Vous avez tout donné à Ouattara. C'est grâce à vous, Ouattara est devenu président en Côte d'Ivoire.
Il n'a qu'à faire retourner Diom Souro. Il n'a qu'à laisser Souro aller présenter sa candidature en 2025. Les Ivoiriens vont décider s'ils ont pardonné leur fils ou leur fils n'est pas encore pardonné. Mais ce n'est pas un mouton qui va venir me dire que Gbagbo n'aime pas Souro. Ce n'est pas un fils de Kabri qui va venir me dire « Ah Zouzou, tu ne connais pas les Bousmani là. Si Alassane quitte au pouvoir, ils vont attraper Souro. » Non, ce n'est pas vous qui va me dire ça. Dis à Ouattara de laisser Souro rentrer en Côte d'Ivoire, candidat en 2025. On va voir si les Ivoiriens ont pardonné leur fils ou pas. On va voir pourquoi Ouattara a peur. Pourquoi il comptera Souro en exil. Pourquoi les Souleymane Kamaraté sont en prison. Chers parents du Nord, Yati, je vous demande pardon. On s'est battu avec les armes pour ce monsieur-là. Parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. On va écouter le propos des musulmans et puis on va se laisser. Deux heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Voilà. Et ça nous attrape. Ça nous rattrape aujourd'hui. Musulman de Manhattan. Draman, ça va dire. Il y a un enfant en bas là. Aïe pitié de ces peuples-là. Tous nos grands frères ont trouvé la mort sur ton gouvernance. Donc on dit que c'est toi. Oui, oui. Ouattara, on n'a pas trouvé la mort sur Gbagbo. Ahmed Bayo non plus. Gon Kloubali non plus. Comment fait-il que tous ces cadres du Nord ont pu disparaître en 10 ans de règne de Ouattara. Eh, enfin, en bas, chers parents du Nord, réfléchissez. Comment fait-il que tous ces mondes, tous ces cadres du Nord, Amadou Soumaoro, Gon Kloubali, Ahmed Bayogo, Ibrahim Kloubali, Ouattara, ministre Diakité, Soro Konyon, Lassina Kloubali, tous ceux-là sont morts sur Ouattara. Mon peuple se réclame encore mouton de Hadou. Eh, après Ouattara, c'est pas bon. Aïe Sabari, aïe Sabari, quoi aïe Soroto, aïe Do, aïe ta candidature blanc. C'était ma petite vidéo de ce soir. Y'a quoi toi, papa, Mamadou Kloubali? Et celui qui trouve le numéro de maman, Ava Bla Canadien, Nime Seka Mike Menake. Ça fait pitié. À Koumassi. Ils ont voté, tous ceux-là ont voté pour Cissé Bakongo. Aujourd'hui, papa dort dans l'eau avec sa femme. Ils sont malades. Chapelet est dans l'eau. Mon cœur a saigné. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir me suivre. Merci beaucoup à vous. Que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Personne ne peut me menacer. Ouais, ouais, ouais. Si, si, si. Si on fait des dramas là, non. Je parle. Vous parlez. Vous sortez, vous parlez. C'est fini. Pas de menaces. Je suis un acteur. Un acteur. RDA a été créé en 1994. Deux ans après, j'ai basculé dedans. 95, 96, vous comprenez? Deux ans après sa création, donc j'ai eu passé 30 ans de ma vie au sein du RDA. Je connais Alassane Ouattara, je le connais très bien. On a fait des choses pour lui qu'on ne devait pas faire. C'est ça, Dieu est en train de nous montrer comme ça. On demande pardon au bon Dieu, on demande pardon au président Laurent Gbagbo, on demande pardon au peuple ivoirien. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Bonne soirée à vous. On sera demain, Inch'Allah, s'il y a un autre sujet. Bon, mon frère, il voulait partir. Tu as écrit un truc là. Je vais te montrer là. Imam Dromina. Bon, voilà ça. Bon, moi ici, Imam Dromina. Moi ici, Imam Dromina. Mais chez moi là, il n'y a pas cave d'alcool. Voilà. Je vais te montrer ton papa Draman avant de partir. Allez-y, papa Draman. Deux heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait. Et deux heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Mamadou, Mohamed Touré Gamea, il faque Ouattara. Deux heures après, ils ont commencé à casser, ils ont retrouvé la cave, ils ont bu d'alcool, ils étaient sous. C'est-à-dire, cave là, si tu ne connais pas, c'est une chambre qu'on construit pour réserver seulement l'alcool dedans. Ya, Draman, il y a bon. C'est lui-même qui a dit, nous on ne savait même pas ça, c'est lui qui a dit. Donc dans la chambre de chez Draman, il y a une cave d'alcool, il boit droit jusqu'à Chamroubé. Donc ils ont commencé à bu l'alcool, ils étaient sous. Ya, dans la maison de Alassane Ouattara, il y a cave d'alcool là-bas, c'est grave. Bon, moi ici, même Draman, mais il n'y a pas cave chez moi à la maison, d'accord.
Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Les animaux de Ouattara, réveillez-vous. Sinon, les jours où Ouattara va quitter au pouvoir, c'est pas bon pour vous. Hein. Voilà, et bilay. Eh non. Mais moi, je prie Dieu que ça n'a qu'à me trouver en vie, quoi. Hein? Chérie, je veux que le règne de Ouattara n'a qu'à finir de mon vivant. Voilà. C'est ce que je veux. Lequel là? C'est vrai. Je vais vous donner un petit son. Comme je suis en train de partir à la maison. Oui, non, attention, putain, c'est grave ça. La loi a changé en Italie là. Putain. Ça c'est mon permis direct. Bon, famille, je vais vous laisser. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Assalamu alaikum. Je voulais vous donner un petit son. Attends, je vais voir s'il y a. Je vais oublier complètement. Tiens. On ne peut plus. On ne peut plus rouler ici avec. Je crois que j'ai envoyé sur là ici, c'est ça. Ouais, c'est ça. Chez nous, 20 ans. Non, mais t'es pas sérieux. C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Ah, j'ai envoyé ça. Sans pour lui. Le jour où les animaux de Ouattara vont me trouver là, c'est pas bon. J'ai dit, mais moi, je suis prêt. Je suis devenu les boucs émissaires, les frontomougou. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. Demain, moi, je travaille. Allez, qu'Allah vous protège.